trouve dérangeant. Personnellement, je le trouve crampant. Mesdames, messieurs, Dieudonné! À la tête! À la tête! Allez, les gars, faites gaffe! Retenez-vous! Oh, c'est pas grave! C'est pas grave! L'escadron d'Africains, là, au front, les mecs! Allez-y, devant! Allez! Allez, allons, enfants, du jour de gloire! C'est juste là, le jour de gloire, vas-y! Fais gaffe, Didier, tu vas te faire dégommer! Ah, évidemment, ils vont se faire descendre, non, mais je sais qu'ils vont se faire descendre, mais je veux dire, comme ça, nous, derrière, ça nous fait un tapis de sol, réfléchis un peu. Comme ça, on peut passer avec les 4x4 sans s'en foutre plein dégueulasse. Oui, mais quand ça bloque, faut trouver des combines, abruti. Non, mais ferme-la, c'est qui le gradé ici? Il est en haut! Putain, il est où, Francis? Francis, reviens! Il est où, le toubib, là? Non, j'ai mon abcès au cul qui me relance, là. Va me le chercher, là. Là, je tiendrai pas, là. Dépêche-toi, là, gardez la foutre au front, là. Quoi? Qui c'est, lui? Les gars, là, les sentinelles, c'est qui, le mec qui arrive en rampant, là? Oui, ben, tu sais pas qui c'est, hein? Qui c'est, le gars, là? Tu sais pas... Hein? Enlève-le, c'est quoi, ça? C'est à nous, c'est pas à nous, ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette gueule-là? C'est du péruvien, c'est quoi, ça? T'as paumé ton orchestre, t'en es où, toi? Hein, retire le casque. Mais qu'on regarde le pelage, abruti, c'est à ça qu'on la reconnaît, quoi. Non, c'est un frisotte, c'est du bico, ça met ça là. Faites gaffe, les journalistes, il y a un terroriste, certainement. Alors, salam alaikum, toi, t'en es où, toi? Quoi? Vas-y, bute-le, on n'a pas le temps, là. Dégage-le, toi. Non, mais va faire ça plus loin, t'es malade ou quoi, toi? Comment tu veux faire une guerre propre avec des bras cassés, pareil? Allez, dégage-moi ça. Bon, vous me laissez avec les journalistes, les gars. Faut que je réponde à des questions, là. Avant qu'il se fasse kidnapper, là. Oh, ça va! Oh, attention, restez pas là, faites gaffe, ils arrivent! Ouais, c'est la coalition, ça. Ouais, c'est les Américains, ça. Ouais, ils sont avec nous, non, mais ils sont tout seuls, hein, faut faire gaffe quand même. Ouais, c'est alright, ok. Ah, oh, j'ai mal, j'en souffre, là, j'ai une vieille blessure qui se réveille, là. Ouais. Y a un médecin qui est venu avec votre équipe, non? Non, parce que j'ai un abcès au cul, en fait. Tu sais, c'est une histoire de poil qui se recroqueville dans le fion, là. Ça me fait un cul de babouin, j'ai un ballon de basket comme ça. Oh, je déguste. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ouais, je sais bien, on n'est pas là pour parler de mon cul, madame. Oui, ben, là, vous êtes au front, madame. Ah, ben, il n'y a pas plus. Là, c'est là, vous êtes au front. Où est-ce qu'on en est? Non, on est bien, là. Mais l'aviation américaine a bien bossé, hein. C'est vrai qu'ils savent bosser, les gars. 400 000 tonnes de bombes dans la matinée, c'est clair, quoi. Ça dégage l'horizon, c'est clair. Ben, il y avait une montagne ce matin, là, juste là. Hein? Un genre de Mont Blanc arabe, quoi, les mecs. Ils venaient skier à 4000 mètres et tout, les gars. Bon, celui qui réplique avec les forfaits, faut lui dire que c'est plié, là. Quoi? Ah, et 6 fois Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau, t'imagines bien, quoi. Ah, faut s'adapter à un mode de vie un peu précaire. J'entends pas la question, madame. Là? Je comprends pas. Les frappes chirurgicales? Eh ben quoi? Si on en fait? Ah, bien sûr, beaucoup. Énormément de frappes chirurgicales. Bon, c'est pas de la microchirurgie non plus, vous voyez bien. Hein. C'est plutôt dans le style amputation, hein, c'est clair. Ça, c'est clair que le mec qui est dans un rayon de 300 mètres, qui est aux champignons, il est bon, ça, c'est clair. Non, dans le respect des conventions de Genève, hein, toujours. Ah ben, nous, on est conventionnés, madame. Hein, Didier, tu as les conventions avec toi? Ouais, les photocopies, ça marche. Hein? Les zones pétrolifères, ça, c'est les Américains, madame. On n'a pas le droit de toucher à ça. Ah non, dans un braquage, c'est chacun son rôle, hein, je veux dire, on va pas commencer à... Ouais, nous, on est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur. Non, je déconne, là. Les pertes humaines? Non, ça va. Ouais, non, les pertes, elles demandent. Oui, l'équipe de Marocains, oui, on a perdu les Marocains, là, bon.
l'équipe de démineurs. Mais bon, nous, à peu près, on est dans nos quotas. Par contre, en face, là, rien que dans la matinée, il y en a 10 000 qui ont plus mal aux dents, je vous le signe. Hein? Attendez, Francis, il est où le toubib alors? Je fais comment, ouais, le fion, je fais comment, là? Bon, va me chercher le pistolet, là. Le spécialiste des sushis, là, qui vient de revenir avec ses couteaux. Hein? Va me faire ça à cœur ouvert, là, parce que là, je tiens plus là. Comment reconnaît-on l'ennemi sur le champ de bataille? J'ai une question à la con, c'est quoi ça? Hein? Ah ben nous, on reconnaît personne, madame. Je veux dire, on connaît personne, on reconnaît personne. C'est pour ça que je comprends pas la question, là. Ben l'ennemi. Ben l'ennemi, madame, l'ennemi, c'est l'autre. C'est autrui, quelque part. Non, c'est celui qui arrive en face, en fait. À un moment donné, tu vas le croiser, l'ennemi, c'est là que ça se passe. Hein, non, c'est pour ça que je comprends pas la question, là. Ah ben ah voilà, non d'accord, par rapport aux tenues vestimentaires, non d'accord. Non, non, t'as pas le temps, les tenues vestimentaires dans la boue, tout ça. Non, non, moi c'est la langue. Ouais, gang, 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 ouais t'as raison, tac dans ta gueule. Non mais chez nous aussi, il y en a qui parlent pas la langue, mais là, nos noirs, ils parlent, on comprend rien ce qu'ils racontent. Mais ils sont avec nous, les mecs. Bon, ils sont avec nous, ils sont 500 mètres devant, bien sûr, mais je veux dire... Non mais bien sûr. Mais c'est notre équipe, on n'a pas le droit de tirer dessus, hein, je veux dire. Et on leur fait une croix dans l'eau pour ne pas les comparer, qui tac tac, comme ça tu peux pas te planter. Hein? Non, puis nous, nos noirs, on les a dressés aussi. Hein. Puis un bon dressage, ça se fait pas comme ça. Un bon dressage de nègre, 3-4 générations. Ouais. Faut bien péter la gueule du père. Faut le mettre minable, faut lui mourir la tronche. Et puis derrière, la descendance, ça marche. Regardez, nous, les Antillais, regarde ce qu'on en a fait. Ils ont l'Antillais, là, regarde là-haut. Regarde l'autre con, galipette, fais les galipettes, maman. Voilà, ils sont bien. L'Antillais, il est bien. L'Antillais arrive. Dans l'Irakien, t'arriveras jamais. Hein. C'est la race. La race, c'est méchante. Elle est méchante. Hein. Voilà. C'est l'Inde. Non, tu n'y arrives pas. Là. Il est hargneux. Moi, j'ai essayé d'en dresser. J'en ai eu trois, la prisonnier. Si, si, tu vas lui faire. Il va te lever une patte, deux pattes après être mort. Il te saute à la gueule. Ça fait combien de temps qu'on essaye de négocier avec ces gens-là? Ça fait 30 ans qu'on est. Les politiques, ils sont là. Merde, alors, les gars, bon, mais. Je veux dire, donnez-nous votre pétrole, les gars, maintenant. Ils veulent pas, ils refusent. Bon, bah non, nous, on est là pour leur rappeler qu'on a la bombe atomique à leur mettre sur la gueule si ça se complique. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Là, si on se retrouve dans la boue face à face, sans pouvoir se reconnaître, où ça? Au front, là-bas? Ah ben, je tire, madame. Assure tout ce qu'il vaut, même si ça bouge pas, je tire, madame. Ah, ça, c'est les journalistes, là, c'est les... Non, non, attendez, t'as pas le temps. Hein. Au front, t'as pas le temps, madame. Ah non, tu tires. Mais c'est ce que j'ai dit à mes gars, vous cherchez pas à comprendre. Hein. Vous arrivez au front, vous arrivez comme ça, vous faites un carré, comme ça. Après, tu mitrailles tout le temps et tu remplis les cases comme ça. Hop, tu barbouilles, t'en fous partout, tu suggères pas. Non, non, attention. Eh, hey, au front, la vie, ça vaut pas une clope, madame. On n'est pas dans un salon de thé avec les journalistes, attention. Hein. Non, ben, je me suis vu descendre mon meilleur copain pour une taf, hein. Pour une clope, ben ouais, parce que c'est le mal des profondeurs. Quelque part, t'es là, tu... Tic-tac, le moindre truc, la moindre contrariété, c'est... Pardon? Les exactions? Ah non, jamais, ah non, non. Ben, nous, on est conventionnés, hein. Donc nous, à ce niveau-là, nous, il n'y a pas moyen. Là? Ah bah ce qui peut arriver, madame. Non, les viols, qui a fait ça? Chez les casques bleus? Ah pas chez nous, hein. Chez les Français? Ah non. À mon avis, c'est chez les Italiens, certainement. Il y a de... Ah non, chez les Français, vous ne verrez jamais ça. Non, ce qui peut arriver chez les Français, madame, attendez, c'est humain, je veux dire. Bon, vous libérez un village du terrorisme. Hein, vous empêcherez pas deux, trois. Bon, ben voilà, les gens sont heureux. Voilà, il y a une sorte de liesse populaire qui se met en place. Ah, bon, ça commence à bouger les fions. Bon, ben là. Ah, vous empêcherez pas une dizaine de nos gars d'aller se lier d'amitié avec une jeune autochtone. Hein, ça, c'est clair, quoi. Hein, c'est Dame Nature qui s'exprime. Hein, c'est le côté fleur bleue aussi, hein, quelque part. Ah, ouais, et puis attends, avec un peu de chance, ces filles-là, elles peuvent même tomber enceintes. Ah, et quelque part, ça va laver leur race. Hein, je veux dire, c'est. Et ça, c'est cadeau, hein. Quand on repart, cadeau, ça. Ça, tu gardes, ça. Voilà. Hein? Les pillages, non, jamais, madame. On peut pas se permettre, hein. On est conventionné. Hein. Donc nous, on ne pourrait jamais... Hein. Non, les Italiens, certainement les Italiens, ça.
Ah ben s'il peut se passer, non, ça n'a rien à voir, madame. Mais non, au niveau des Français, le gars il rentre en France, attends, il veut ramener un souvenir. T'empêcheras jamais un mec, voilà, une boîte de chewing-gum, voilà, contre 10 kilos d'or, non, bien sûr. Non mais ça c'est des allusions à la con, on fait pas la guerre pour l'argent ni pour les putes. Les femmes de l'ennemi, il y a le respect, madame. Ouais, mais nous on intervient, on est au bout de la haine, hein, de la chaîne, je veux dire. Non, mais j'arrête de répondre. Eh ben tu réponds toute seule, je m'en fous, ouais. À un moment donné, ça suffit. Là. Thierry, le tout bible là. Non, mais j'ai trop mal, là, l'abcès. Hein. Bon, il est chargé de ton fusil, Jean-Marc. Ouais, tire-moi dans le cul. J'ai trop mal, tire-moi dans le cul. Mesdames, messieurs, c'était Dieudonné.